Kate Middleton possède ce sac en 12 couleurs et vous ne l'aviez pas remarqué. Véritable icône de mode, le style élégant mais rafraîchissant de Kate Middleton ne cesse d'éblouir. Mais une tenue ne fait pas tout, il faut les accessoires appropriés. Les sacs notamment, sont les atouts parfaits pour embellir un look. Sur ce point, la princesse de Galles est assurée. Chaque apparition de Kate Middleton est l'occasion pour les amateurs de mode de prendre quelques notes. Reconnue comme l'une des membres de la royauté les mieux habillées, l'épouse du prince William ne laisse en effet rien au hasard lorsqu'il est question de ses tenues. Toujours tirée à quatre épingles, parfaitement coiffée et modifiant la palette de couleurs de ses looks selon les saisons, la princesse de Galles affirme son style intemporel et délicat à chacune de ses sorties. Mais pour arriver à un tel niveau de maintien, il faut miser sur les plus petits détails. Pour Kate, les sacs sont l'atout fétiche d'une bonne tenue. C'est donc sans surprise que The Zoé Report dévoile les dessous de la collection de sacs de la princesse. Et parmi elles, un détail étonne, la belle-sœur de Meghan Markle possède une pièce en plus de 10 exemplaires différents. Amatrice des tenues monochromatiques, il convient d'avoir un sac adapté pour chaque teint porté. Pour s'en assurer, Kate Middleton possède donc 12 fois le même sac pochette de la marque Emmy London, au format Natasha, vendu à 395 € pièce. Un accessoire discret, que la princesse a en 12 coloris différents. Une pièce reste unique. Mais outre Emmy London, celle qui est apparue en basket après le couronnement de son beau-père affectionne d'autres marques célèbres de sacs à main. Parmi elles, figure Demelier London, dont elle possède également plusieurs pièces. Son sac le plus célèbre, cependant, reste celui porté lors du banquet d'État de novembre 2022, un sac pochette signé Alexander McQueen, composé de cristaux. Cet accessoire unique, assorti à la robe Jenny Packham qu'elle portait ce soir-là, coûte près de 3600 €.